Ciao à la communauté, c'est Mélanie du Mas des Oliviers. Aujourd'hui une vidéo très rapide juste pour vous présenter nos petites poulettes. Donc on a un poulailler avec 6 poules à l'intérieur. Je vais vous les présenter tout de suite. Les voilà. Les cocottes. Elles sont un peu sauvages et elles se laissent pas approcher. Mais elles font un travail remarquable. Donc on les a ici, je vais vous montrer, elles sont bien enfermées parce que bah déjà ça évite qu'elles s'échappent. On les avait sur notre terrain précédent et elles s'échappaient tout le temps et elles pondaient, on ne savait jamais où. Donc là elles ont quand même un espace suffisamment grand et aussi une petite maison de poule avec des perchoirs, une fenêtre en haut, un passage en bas et des nids. Donc ça permet d'avoir des broseux, même si en ce moment, bah, en étant presque à l'hiver, elles pondent plus. Bon, elles s'y remettront un jour. Elles nous font aussi du bon compost. Donc là je suis dans mon compost, comme vous pouvez voir. Et elle nous mange nos restes alimentaires. Donc c'est vraiment super de les avoir dans notre forêt nourricière. Et donc là pour l'instant elles ne sortent pas de leur enclos. Mais à terme l'idée c'est de faire une cage amovible en fait. Et dans laquelle en fait je vais pouvoir replacer les poules et puis les mettre à des endroits stratégiques de façon à ce qu'elles mangent ce que j'ai plus envie qu'il y ait sur le terrain, principalement dans les jardins potagers une fois qu'ils ont donné. Mais bon, je vous ferai une vidéo à ce moment là parce que voilà, pour l'instant c'est pas encore prêt et du coup elles restent dans leur enclos et puis bon, elles ont l'air pas malheureuses, hein, les petites poulettes. Et les cocottes. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.